DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous sommes à l'heure de la préparation de pré-saison pour tous les clubs ici en République démocratique du Congo. Le championnat débute déjà début septembre prochain. C'était la recommandation de la Fédération Congolaise de Football Association afin de permettre surtout aux clubs engagés en compétition africaine interclub d'avoir quelques journées dans les jambes déjà, pouvant leur permettre de bien aborder cette compétition intercontinentale. Et bien évidemment, parmi les clubs qui se préparent, il y a l'ASV Club, malgré tous les problèmes qu'il y a au sein de ce club. Mais nous voulons parler d'un binational. Il s'agit de Jonathan Mamba-Bois qui se trouve être en préparation dans l'AS Vita Club, un binational qui nous vient tout droit de la Belgique. Jonathan Mamba-Bois, qui est né un certain 3 octobre 1997, il a 23 ans. Il va avoir donc bientôt 24 ans. C'est un international belge U17. Le défenseur latéral gauche a été formé à Anderlecht, à Bruges, à Gand et même à Ostende. Ostende d'ailleurs, club qui a tenu le coup hier face au Standard de Liège de Jackson Moulenqué et Bastien Samuel. Mais même si finalement cette équipe a perdu 1-0, c'était dans le cadre de la 5e journée du championnat belge de première division, la Jupiler Pro League. Alors Jonathan, malgré son jeune âge, il avait en 2016 quitté la Belgique pour Marseille. Attention, pas pour jouer à l'Olympique de Marseille, pas pour jouer à l'OM, mais au sein du GS Consola. Alors, un club de division inférieure, bien évidemment. Ce fut une bonne expérience qui lui a permis de découvrir un autre style de football. C'est donc un bon défenseur qui a joué dans la catégorie jeune élite du football belge, notamment chez les U21. Du KV Ostende. Pendant l'intersaison, Jonathan Mamba-Bois ne dormait pas sur ses lauriers. Il s'entraînait dur avec d'autres joueurs d'élite sous la direction d'un ancien du FC Renaissance. Et oui, sous la direction du coach Franklin Kimbongila à Matezo, lui qui a quand même fait aussi les beaux jours du FC Renaissance, cher à l'évêque Pascal Mukuna. Il s'entraîne, Jonathan, avec d'autres jeunes, bien évidemment, préparés par cet entraîneur Franklin Kimbongila, dans un des terrains d'entraînement du RWD Molenbeek. Je vous invite donc à suivre l'un de ces entraînements qui vous permettra de découvrir le travail foncier de pré-saison de Jonathan Mamba-Bois. Et à tous les Véclubiens, bien évidemment, qui voient ce jeune s'entraîner avec d'autres joueurs de V-Club, c'est l'occasion pour vous pour mieux comprendre le profil de ce joueur et comment est-ce qu'il s'entraînait. Je pense que ça peut vous aider. Je rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV, votre chaîne YouTube, bien entendu. Si vous n'êtes pas encore abonné, nouveau ou ancien, n'hésitez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Alors suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Oui. Oui. Pieds joints. Voilà. Ok. Voilà. Attaque, attaque, attaque.
Voilà, tac. Oui, très bien. Rapide. Là, tac, 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 bloqué. Lève bien, lève bien. Voilà, lève bien. Oui. Très bien. Tac, 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 tac. Bien tourné. Vas-y. Voilà, oui. Tac, très bien. Tac, oui. Tac, tac, tac. Voilà, sur le côté là, ouais. Oui. Tac, tac, tac. Voilà, tac, 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 tac. Oui, très bien. Ok, super, super. Hein, j'ai vu hier, hein, dimanche, hein, c'est magnifique. Hein, c'est bien, t'as bien bossé. Hein. Aujourd'hui aussi tu vas, mais non, demain je ne vais pas. Demain tu vas, ok, c'est bien. Tu fais l'intervalle, hein. C'est ça que j'allais te dire. Ouais. Et tu vas aujourd'hui, et demain repos. Ou aujourd'hui tu ne vas pas, mais demain tu vas faire seulement. Cette semaine tu fais deux fois. Je vais encore mercredi et vendredi. Okay. Et c'est bon. Puis voilà. Je suis parti. C'est bon. Ok. Très bien, allez, vas-y, allez, c'est ça. Allez, PX. Voilà. Allez, debout les gars, venez. Allez, faites le jeu de passe ici. Pendant ce temps-là, il ne faut pas rester assis. Faites le jeu de passe, viens, viens, mon papa, viens. Faire la passe avec lui. Voilà, à trois. Même, vous pouvez se mettre là-bas. Vous pouvez aller là. Ouais. Oui, oui. La passe, vers le gauche, vers le gauche. Oui, oui. Là, oui. Bloqué, bien droit. Oui. Ok, bien. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez vu à l'œuvre Jonathan Mambaboa, Sia Onoya, qui, au lieu de se morfondre dans ces temps difficiles, hein, où la pandémie à Covid-19 bloque plusieurs situations, plusieurs activités, il a pris la décision de partir à la découverte du football africain. Et quoi de plus mieux, hein, que de rentrer sur la terre de ses ancêtres et pourquoi pas relancer sa carrière pour mieux revenir en Occident, fort d'une expérience africaine. Jonathan Mambaboa est visiblement l'un de ces joueurs qui n'hésite pas à aller à la découverte, hein, d'autres styles de
jeu. Et je crois que à l'ASV Club, il pourra en tout cas trouver, et surtout que cette équipe est en pleine reconstruction. Et pourquoi pas le voir jouer avec l'ASV Club. Nous espérons en tout cas que ces images auront certainement plu aux Vecclubiens qui sont en train d'espérer que leur équipe va revenir à son plus haut niveau avec tous les problèmes qu'il y a au sein de ce club, des cadres qui partent. Mais cela ne décourage pas les Vecclubiens. En tête, Madame Bestine Kazadi qui a promis de remplacer des joueurs et donc de recruter au moins 33 joueurs, et Vecclub est bien en voie de pouvoir réaliser cela. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce sujet concernant ce binational congolais qui a préféré venir se préparer avec l'ASV Club, histoire de découvrir aussi le pays de ses ancêtres. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais si vous avez un point de vue également à partager avec nous, n'hésitez pas de nous le laisser à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne, mais vous ne vous êtes pas encore abonné, ben n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.
Accès de l'image. Voilà, viens. Il est pas mal au banal.